Monsieur le maire, il a vu qu'il avait une bête à l'idée. J'arrive, je disais tout à l'heure, j'ai mis de la lumière, je suis rentré, parce que j'étais prévu comme il y a très longtemps, un quart d'heure. Mais ça tombe bien, puisque j'ai terminé ma réunion. Je tenais à être présent, puisque pour expliquer et remercier les sponsors, les mécènes qui aident les clubs. C'est absolument vital. S'investissent et soutiennent des clubs, c'est une parfaite complémentarité entre ce que peut faire la ville et ce que font le club et ses recettes. Elles sont indispensables pour qu'on puisse évoluer au niveau. Il suffit de regarder le budget du CSOLE pour voir que si la participation de la ville est importante, celle de tous les contributeurs sont indispensables et nécessaires. On ne peut pas dire, notamment au volet, qu'on peut compter sur une forte recette spectateur. Il monte dessus. Donc Petrocini aussi qui arrive de cette année, hein, qui a joué à Grenoble pendant 4 ans. 5 ans. Et voilà, qui nous a fait beaucoup de mal l'an dernier. Et maintenant il est chez nous. C'est une bonne stratégie. Il va être surpris par l'hiver prochain. Tu l'as prévenu. Et on garde toujours le meilleur pour la fin. Pas toujours. Voilà. Donc Cyril, directeur sportif et administratif du club. Merci beaucoup. Voilà. Donc cet après-midi, Cyril a organisé une petite manifestation à Viviani avec tous les jeunes joueurs, les parents, les cousins. Il y avait 64 personnes dans la salle. Voilà. Un petit tournoi, c'était super sympa. Merci.